Le collectif IGBVET a pour mission de protéger l'environnement, sensibiliser à la protection de l'environnement, tout en contribuant à améliorer le bien-être des communautés. Et dans ce cadre, aujourd'hui, le collectif organise une journée de 7 sétales, suivie d'un audit de marque. Cette activité est organisée en collaboration avec Adam Sonia Green et également l'ASAN, l'Association sénégalaise des Amis de la Nature, ainsi que Ecotri Sénégal. L'objectif de cette activité est déjà de ramasser tous les déchets qui se trouvent au niveau du campus pédagogique de l'Université Gaston Berger, mais de ne pas faire que du ramassage. Partie de ce ramassage pour pouvoir sensibiliser les communautés, sensibiliser tous les partenaires qui sont présents à cette activité, sensibiliser aussi toute la communauté estudiantine pour leur faire comprendre que les déchets sont là parce qu'on les a amenés ici. On fait l'audit de marque juste après le ramassage pour identifier les déchets qui sont les plus présents, mais aussi les marques qui polluent le plus afin de pouvoir mettre ces marques devant les faits accomplis. Et donc, ce n'est pas un 7-7-al traditionnel, c'est un 7-7-al vraiment qui va nous permettre de prendre conscience de tout ce qu'il y a comme déchets, de tout ce qui est déchets dominants et de mettre en œuvre des projets, des programmes à l'avenir pour pouvoir réduire considérablement tous ces déchets-là. Et cette activité a vu le jour, on va dire, grâce au soutien du rectorat, du directeur de l'UFR des sciences agronomiques, de la commission sociale des étudiants de l'Université Gaston Berger, ainsi que d'autres partenaires, les clubs, les amicales de l'université, toutes les associations qui militent pour la protection de l'environnement au sein de cette université-là. Et donc nous tenons sincèrement à remercier tous ces partenaires, remercier tous les bénévoles qui se sont mobilisés aujourd'hui pour la réussite de cette activité et dire aux gens que c'est important que tout le monde vraiment se mette à militer pour la protection de l'environnement et rejoindre ce genre de structures.